tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs de ma naissance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la clôture du mois de septembre. Voilà. Donc, on va commencer directement. Donc, en alimentation, il me reste 1,95 euros. Voilà. Donc, des courses de la semaine passée. En entretien hygiène, il n'y a plus rien. Chez les animaux, là, il me reste ceci en monnaie. Santé, il n'y a plus rien. Restaurant, il n'y a rien. Vêtements, il n'y a rien. Loisirs. Il reste ceci. Et divers, il n'y a rien. Je ne vais pas remettre de l'argent dedans vu que c'est la clôture et que je serai payée normalement dans la semaine. Voilà. Donc, on fera le remplissage des enveloppes dans la semaine. Voilà. Ça commence bien. Hein. Alors, pour le défi donc du Punky Challenge, voilà, que je suis occupée à faire. Moi, j'ai pas avancé non plus énormément. Donc, j'étais à la page 400 la semaine passée. Ben, là, je suis à la page 460. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas su avancer. J'ai lu que 60 pages. Vu que les cours me prennent énormément de temps et vu que ça fait des années que mon cerveau n'a plus fonctionné en tant qu'écolière, résultat, je suis fort fatiguée le soir. Donc, résultat, la lecture, c'est un peu problématique. Mais bon, j'ai su quand même lire 60 pages, donc ça va. Alors, vu que je suis à la page 460, eh ben, ça fait 10 euros que je peux mettre dans mon épargne. Pumpkin Challenge Automne. Non, Pumpkin Automne Challenge. Tout va bien. Je vous dis, la vidéo, elle va ressembler à rien aujourd'hui, vu que je suis claquée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre 10 euros. 1, 2, 3, ça fait 6, 8. 9 et 10. Voilà. Donc là, je vais déjà mettre 10 euros ici. Dans ma petite enveloppe. Voilà. Je vais mettre. Je vais écrire aussi les 10 euros ici dessus. Mais je les écrirai après parce que je n'ai pas de bic. Oh, si. Voilà. Les 10 euros et je viendrai colorier par après. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez faire ce challenge-ci, vous pouvez aller sur mon groupe. Il y a toutes les fiches et les explications pour réaliser ce défi. Voilà. Donc voilà pour ça. Et alors, avec ce qui reste. Eh bien, on va mettre ça dans le défi centime en fait, hein, vu qu'il reste ça. Donc là, il y a 1 euro, 1 euro 50, 2 euros, 2 euros 50, 80, 90, 3 euros. Voilà. Donc. Voilà. Donc 3 euros et les 3 euros, je ne les ai pas cochés. Ils sont ici, juste ici en-dessus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais les cocher. Voilà. Ça c'est fait.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez ce défi centime aussi, il est sur le groupe ou sinon vous allez le retrouver sur commenteconomiser.fr et vous allez le trouver. Voilà. Et alors ça, je mettrai dans mon petit pot que j'ai pas ici directement. Voilà. Je mettrai ça après. Alors, pour le défi de la semaine passée, le défi challenge, c'était que vous pouvez aussi retrouver sur mon groupe. Voilà. Donc, si vous voulez participer avec nous toutes les semaines, il y a un petit challenge à faire. Voilà. Donc, cette semaine-ci, c'était le challenge vente sur Vinted. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques trucs sur Vinted, mais ça n'a pas encore été vendu. Donc, voilà. Donc, on va laisser faire les choses. Mais j'ai quand même su mettre quelques trucs sur Vinted. Enfin, eu le temps de mettre quelque chose sur Vinted. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et alors, il y a cette fiche aussi que vous pouvez retrouver sur mon groupe qui sert à mettre en fait vos économies de la semaine. Donc tout ce qui reste de vos enveloppes ou vos ventes ou quoi, vous pouvez les mettre ici comme ça vous savez faire le total et avoir un traçage de vos économies de la semaine. Voilà. Donc là, j'avais mis 10 euros plus 3. Ben, pour la quatrième semaine, ça fait 13 euros. Voilà. Et ben, vu que c'est la clôture, ça nous fait 38,95. Voilà. Voilà. Donc pour ce mois de septembre, j'en ai eu pour 38,95 euros. Voilà, d'économie. Comparé aux autres mois où normalement, là, c'est plus dans les 70 euros, voire presque 80 euros. Mais bon, voilà. Je suis déjà super contente que Allez. Que je suis déjà arrivée à presque 40 euros d'économie. Parce que normalement, c'était vraiment mal parti. Il n'y avait vraiment pas d'économie normalement cette semaine. Enfin, ce mois-ci. Mais là. Voilà, je suis plutôt contente d'avoir déjà presque 40 euros ce mois-ci. Donc voilà. Et alors, on va faire donc le nouveau challenge de la semaine. Voilà. Donc c'est challenge-ci que vous pouvez retrouver sur le groupe. Voilà. Alors, je vais les disposer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, il y avait une vidéo retour de course qui devait se faire cette semaine. Mais vu que j'avais encore plein de trucs à la maison, j'ai décidé de pas faire de course. Voilà. Mais il y aura quand même la vidéo menu de la semaine. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour des idées de menus. Et voilà. Et que vous pouvez retrouver ça sur le groupe aussi. Et voilà, c'est tout. Donc là maintenant, je vais choisir la carte. Donc je vais prendre celle-ci. Ah bah tiens, quand on parle de menu, voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur menu à l'avance, eh ben, le défi cette semaine, c'est de préparer son menu à l'avance. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce challenge de la semaine qui ira directement ici dans mon classeur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!